What? Deuxième tour. Demain, c'est la fin du deuxième tour. Dès là, on va maintenant tracer le programme de la huitième de finale et de la demi-finale jusqu'à la finale. Comme ça, vous serez informé largement à travers Pasteur Roger et le PDG. Soyez les bienvenus. C'est la pelouse de la compétition. Merci bien. Président du district de Bao, vous et toute la population, y compris cette belle jeunesse d'aujourd'hui, nous vous disons grand merci pour l'accueil. Nous sommes très satisfaits de l'accueil que vous avez toujours réservé, surtout aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. C'est et nous voyons aussi une ça c'est très important. Pour ce soir, le rendez-vous a été pris depuis le mercredi passé. On devait être là aujourd'hui. Nous avons deux grands programmes aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement du terrain par rapport à la doléance que le comité de gestion de ces tournois avait posé, et aussi par rapport au programme qu'on avait, donc, que le PDG avait donné de visiter le dispensaire de Pau. Voici le motif de notre arrivée. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole au PDG et parrain du tournoi. Dieu nous bénisse. Merci. Alors, je vous salue vous tous. Je suis Balessé. Voilà, je crois. Balessé. Je suis Balessé, c'est mon nom du village. Sinon, Joël Crasso. Hein. Voilà, je suis très heureux d'être dans mon village. Je suis le parrain de cette manifestation-là. Je peux. Oui, allez-y. Alors, donc, je suis le PDG de Baruch Entreprises. C'est une entreprise que nous avons installée déjà ici à Zérékoré. L'entreprise existe en Côte d'Ivoire. Et nous avons déjà installé l'entreprise à Zérékoré. Baruch dans beaucoup de domaines. Baruch dans l'événementiel, l'organisation des mariages, des anniversaires. On a la sonorisation. Baruch est dans la production des artistes.
Nous venons même de finir de boucler l'artiste, la production d'un artiste. Alors, Barouk aussi, aussi dans la restauration. Doro Business Resto, voilà, qui fait aussi une partie branche de Barouk Entreprise. Et donc ici encore, Barouk va exceller, travailler dans le domaine de l'agro-business. Voilà, donc voici un peu, je suis le PDG, n'est-ce pas, de cette entreprise. Aussi l'un des responsables, je suis le premier responsable. L'usine d'Akeke, voilà, ils vont même Mendy Isere Corée. Voilà, toujours, il faut que les choses sortent d'ici. Il n'y a pas de raison que des bonnes choses ne sortent pas de la Guinée. Et la Guinée fait partie des pays de l'Équateur. De l'Équateur. Dieu vous a tellement béni et que la Guinée fait partie du pays de l'Équateur. Vous devez comprendre, nous devons aussi comprendre. En tant que peuple africain, nous devons prendre notre destin en main. Ce n'est pas les gens qui vont venir régler nos problèmes. Les gens veulent nous voir en conflit. Donc je vous exhorte, évitons la palabre, évitons de nous mettre en palabre. Évitons que la politique vienne nous diviser. Et c'est aussi notre combat que nous menons. C'est pour ça que le thème même de l'événement, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons éviter que la politique nous divise. Parce que vous n'allez jamais voir un fils politicien. Le politicien qui est opposant, là, tu ne vas jamais voir son fils aller marcher dans la rue. Jamais. Sans vous envoyer dans la rue, leur enfant est chez eux à la maison dans le climatiseur. Vous comprenez? J'ai parlé avec les gens aujourd'hui, j'ai dit, mais regardez, vous allez lutter pour eux, mais ils ne pourront pas tout faire pour vous. Voilà, ils ne pourront pas tout faire pour vous. Alors, c'est nous-mêmes qui devons chercher notre richesse. Or, pour qu'on te respecte, c'est le travail. Si vous ne travaillez pas, on ne peut pas vous respecter. Alors, si on doit travailler, évidemment, il faudra qu'on vive ensemble. Donc, le vivre ensemble est très important. Nous devons éviter de faire palabre. La guerre inutile où on se dit, le Guernsey et le Peul ou le Manon, le Peul n'est pas bienvenu en forêt, etc., etc. C'est des choses qu'on ne veut plus voir. Vous comprenez, on ne veut plus voir. Nous songerons toujours à vos côtés pour vous aider à comprendre que la richesse est ici, ce n'est pas ailleurs. Et encore, nous devons mettre la main dans la main. Alors, comme je disais la dernière fois à cette réunion, où étaient les responsables des différents villages, des 12 villages, et que le piment, vous voyez là, nous allons vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Je suis africain d'origine ivoirienne, mais j'ai retrouvé mon village qu'on appelle Pau. Vous comprenez? Tout ça là, c'est les blancs que nous ont tous divisés. Oui, oui, oui. C'est la même famille. C'est la même famille. Nous ont dit, toi, tu es en Côte d'Ivoire. On est tous africains. Ah, voilà. Alors, la seule chose que tu dois comprendre, que la terre ne trompe jamais. Hein, ça ne trompe jamais. Et qu'on peut se faire de la richesse. À partir du piment que vous voyez là, nous serons acheteurs de piment ici. Parce qu'on va l'exporter. On va acheter le piment ici. On va planter. Nous serons aussi producteurs. Hein, et nous serons acheteurs. Ça dit que nous allons acheter. Le piment, c'est trop. Pour trop, c'est 6 mois, 5 mois, 6 mois. Un hectare de piment, tu es millionnaire pendant un an. Pendant un an. Voilà, pendant un an, tu es millionnaire. Tu n'as pas besoin de trucs, c'est là, juste à côté. Pourquoi? Parce que ça, c'est ça fait 800 000 francs. 800 000 francs. 800 000 francs. Francs guinéens. Et puis j'aime là, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu mets dans la brousse et des années après, tu récoltes un sac seulement, ça te fait 800 000. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de faire. Vous exhorter à prendre des faits de jambes. Nous allons acheter et vendre. Nous allons travailler avec vous. Mais encore l'éducation. Les enfants, vous voyez là, envoyez-les à l'école. Il suffit seulement de mettre les enfants, de les mettre au monde. Mais leur place se trouve à l'école. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il est handicapé. Ça, je vous dis la vérité. Le monde où nous sommes en train de partir aujourd'hui, sera difficile pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école de s'en sortir. Alors, où tu n'es pas arrivé, il faut permettre à ton enfant d'arriver là-bas. Donc, on exhorte chaque parent à envoyer les enfants à l'école. Alors, en tant que PDG, maintenant, je parle en tant que responsable premier de l'ONU Espoir de Vie, nous allons vous encourager, motiver, nous allons vous même mettre la pression pour envoyer vos enfants à l'école, pour que demain, de ces enfants sortent les cadres. Voilà, l'école, c'est l'école qui forme les cadres. Si nous voulons avoir des grands cadres, les sorciers ont mangé beaucoup, il ne reste pas beaucoup. Donc, il faut qu'on les envoie à l'école pour que. Ah, les sorciers ont mangé beaucoup. Les sorciers n'aiment pas avoir les cadres, ils ont mangé aussi. Donc, on va envoyer les enfants à l'école pour que demain ils soient les cadres. Nous allons travailler. Nous sommes venus travailler aux côtés de la Guinée, voilà, qui est l'Afrique et de mon village aussi. On va faire avancer vraiment le village de Pau.
Voilà, voilà. Merci. Alors, je vous exhorte. Je vous exhorte à marcher avec Dieu. Ça, c'est très important. En tant que parent. Là maintenant, j'interviens en tant que parent. Je vous parle de mon expérience avec Dieu. Si vous voyez qu'aujourd'hui, tout ce que je touche prospère, c'est Dieu. Aucun fétiche ne peut vous donner du succès. Je reprends, aucun fétiche. Parce que malheureusement, les gens disent que retournons à nos traditions. Mais nos traditions, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? La sorcellerie, les jeunes se donnent maintenant à la sorcellerie, au fétichisme. Non, mon nom, quelqu'un réussit, on va dans un autre village pour le tuer. Mais vous pensez que c'est normal de tuer quelqu'un par jalousie? Parce qu'on est jaloux, on le tue. Mais si tu as versé le sang de quelqu'un, mais tu vas mal finir tous ces pères sur cette terre. Depuis quand le diable a donné une richesse? Jamais. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Alors, je vous parle en tant que parent. J'ai une expérience avec Dieu. C'est Dieu qui bénit. Acceptez Dieu là comme votre protecteur. Tout ce qui est corrigé que vous mettez au rein, ça vous fatigue déjà. Vous-même là, vous mettez encore notre poids ici. Vous marchez dans la rue. Vous devenez bizarre. Vous partez chercher quelque chose que vous ne connaissez pas. La nuit, ça vous poursuit. Vous dormez, le gars veut manger le sang, il veut boire le sang. Donnez votre vie à Dieu. Seul Dieu peut vous protéger. Seul Dieu peut vous protéger. C'est sa main puissante qui peut vous protéger. Laissons un peu du fétichisme et de la jalousie. Pour aller tuer un frère, pour aller l'ensorceler, on n'a plus besoin de ça. Il faut Dieu seul dans notre vie. Là, je parle en tant que parent. Pour vous encourager. Pour moi, Dieu que j'ai pris, c'est Jésus. Acceptez-le comme sauveur et Seigneur personnel. Si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, il vous bénira. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on a envoyé aujourd'hui deux ballons. Je pense qu'à la finale, on amènera le reste. Voilà, donc on a envoyé deux ballons pour vous encourager. Le sport, il est important parce que c'est la santé. Il faut courir, il faut se dégraisser, il faut faire du sport. Donc on a envoyé au comité de la compétition. Oui. La doliance, on a répondu. Et je pense qu'à la finale, on aura la suite. Alors donc on est ensemble. Vraiment, on est ensemble. Depuis, il n'y a pas eu encore des événements malheureux. Voilà, allons-y jusqu'au bout, par la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse davantage nous bénir. Alors, que Dieu bénisse. Voilà, je ne sais pas. Voilà, que le meilleur gagne, surtout. Que le meilleur gagne. Bon. Alors, là,